Aujourd'hui, j'ai trollé un employé d'Epic Games avec des hacks. Si dans les 3,333 secondes, tu likes et tu t'abonnes, tu recevras un compte Fortnite ultra rare. Mais si tu le fais pas, tu te feras hacker ton compte et tu deviendras un Bambi. Alors dépêche-toi, like et abonne-toi. Regardez la vidéo jusqu'à la fin car elle est vraiment incroyable. Grosse dédicace aux 10 dernières personnes qui se sont abonnées. Abonne-toi maintenant si tu veux voir ta dédicace dans ma prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le code SUPUGO pour pêcher des jolies blondes. Salut les gars, on se retrouve après pas mal de temps sur Fortnite. Comme vous pouvez le voir, mon supérieur m'a offert le skin employé d'Epic Games car je suis monté en grade. Du coup maintenant, on peut dire que je travaille officiellement pour Fortnite. Et là on est parti pour tout déchirer et faire un maximum de top 1. On est parti pour ce premier stream hack. J'ai très très hâte. On va troll cet employé d'Epic Games. J'ai vu qu'il avait reçu son skin. J'avoue il est incroyable. Après les gars, bien évidemment moi aussi je l'ai. Mais là les potes, c'est un secret. Vous allez voir le troll de malade qu'on va lui faire. On va aller au sanctuaire les gars. Pourquoi? Parce que je veux tester l'arme mythique que j'ai créée les gars. Je viens de sauter et je vais atterrir au sanctuaire car j'ai appris qu'il voulait tester une arme mythique qui était là-bas. Ok, il y a une personne là. Les gars, du coup, je vais aller me stuff un peu plus loin là-bas sur la plage. Comme ça, je reviendrai après pour défoncer le mec qui a juste là. Il y a quelqu'un ici, je sais pas c'est qui. Wesh, son skin, il est bizarre. Je pense que c'est l'employé d'Epic Games. En tout cas, les gars, je suis vraiment content que mon supérieur il m'ait offert ce skin, les gars. Le skin employé Epic Games, les gars. Voilà, comme ça, ça peut prouver à tout le monde dans la game que je suis un employé, les gars. Les gars, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de joueurs pro qui se plaignaient du Space 12, du coup, qui n'étaient plus dans le jeu. Du coup, les gars, j'ai pensé à remettre le Space 12 dans la prochaine saison de Fortnite. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Hugo, c'est quoi le troll que t'as prévu? Bah regardez, j'ai le skin mystique. Tout autour de moi, il y a plein de petits bots. Et je pense que je vais tuer, les gars, le bot qu'il y a juste devant moi. Et grâce à ce pouvoir, les gars, qu'on voit en bas, je vais prendre l'apparence du bot. Du coup, pour commencer, je tue le bot. Ok, c'est bon, on vient de tuer Sentinelle D7. Maintenant, c'est parti, je deviens une sentinelle. Et maintenant, je marche comme une sentinelle et j'attends de voir si l'employé d'Epic Games va croiser ma route. C'est parti, alors on va aller au sanctuaire, les gars. Oh, regardez les gars devant moi, il y a l'employé d'Epic Games. Ok, les gars, on a un petit skin bot, les gars. Mais attendez, c'est quoi ce revêtement, les gars? En tout cas, les gars, le skin est vraiment beau. Voilà, c'est moi qui l'ai créé. Franchement, je pense que j'ai vraiment géré là-dessus. Mais par contre, pourquoi il a un revêtement rose, les gars? Regardez. One eternity later. Les potes, l'employé d'Epic Games, il me suit toujours, j'ai très très peur et la nuit vient de tomber. Elle est vraiment bizarre cette sentinelle les gars. On va commencer à le fight. Ok, on vient de le toucher. C'est pas normal les gars. Non, c'est quoi cette sentinelle qui me fight les gars? On va tuer la sentinelle les gars, mais what, c'est quoi? C'est un tricheur. Ok les gars, on la craque. Mort les gars, on vient de tuer l'employé d'Epic Games, on commence à danser. Non les gars, j'arrive pas à le tuer, mais regardez les gars, c'est un skin mythique. What? En plus il est en anonyme les gars. Lui on va le signaler tout de suite les gars, on va faire signaler joueur. Ce joueur se déguise en sang pour tricher et me tuer. Voilà, et on va signer monsieur l'employé Epic Games, les gars. C'est reparti, les potes, pour un deuxième stream hack. Et j'ai éclaté l'employé d'Epic Games la première fois. Et surtout, j'ai adoré la façon de comment je les troll, car il a vraiment cru que j'étais un sentinelle du sanctuaire. Ok, du coup, les gars, pour cette deuxième game, on va aller à Sleepy Soon. J'espère qu'on va pas retomber sur un tricheur, les gars. Parce que, les gars, si je retombe encore contre un tricheur, ça va vraiment m'énerver. Normalement, c'est impossible qu'on retombe sur celui d'avant, les gars, vu que je l'ai signalé. Du coup, normalement, c'est bon. Il sera plus là. Là, je viens de voir. Il a mis un point là-bas à Sleepy Sound. Du coup je vais atterrir ici. Et surtout j'ai enlevé le mode anonyme. Je m'appelle Vrai Hacker. Et j'ai hâte là de voir sa réaction quand il va voir qu'il va se faire exploser par un vrai hacker. Et regardez les potes, on voit l'employé d'Epic Games. Il est juste devant moi, par contre il y a un mec à côté de lui. J'espère qu'il va pas mourir. Ok, du coup on va spawn à cette maison. On commence à avoir un petit coffre. Petite PM, ça régale. Hop là, premier kill, anonyme, ça dégage. Et maintenant, je pense qu'on va aller rush l'employé d'Epic Games. Et bien évidemment, là, j'ai aussi une stratégie. On va lui mettre quelques dégâts et après, on va faire ami-ami avec lui pour le piocher. On va aller rush un petit peu, les gars. J'ai entendu qu'il y avait du monde. Les gars, bah l'employé d'Epic Games, il est devant moi. 21. Oh là là, il est énervé. Il m'a mis une balle. Il y a un Spider-Man sur nous, les gars. Il faut qu'on le tue. Ok, crack. Non, il m'a mis une grosse balle, les gars. Non les potes, on l'a tué, je voulais faire équipe avec lui mais il meurt tellement vite. En vrai les gars, cet employé d'Epic Games, il est trop nul. What? Vrai hacker? Mais what les gars, je me suis fait tuer par un vrai hacker. Cet employé d'Epic Games, il me fait trop douter. Je crois encore que c'est un faux. Son level est horrible comparé à son skin. Parce que j'avoue que les gars, quand même son skin employé d'Epic Games, y a pas tout le monde qui l'a hein. Mon métier sur Epic Games les gars, c'est de bannir tous les gens qui trichent tout ça. Du coup les gars, celui-là, vous inquiétez pas les gars, je le retiens. Du coup vrai hacker, si tu m'entends, ajoute-moi un ami, on va régler nos comptes. Ok, je viens d'ajouter l'employé d'Epic Games en ami, mais avant de l'inviter, je dois configurer mes actes sur cette map. Car les potes, cette map, c'est une map ultra secrète. Et regardez, je pars rejoindre l'igloo. Je m'accroupis ici et je vais dans la faille.
Et là, on se retrouve dans une salle secrète pour troller l'employé d'Epic Games avec des hacks. Il y a 3 télécommandes. Grâce à ces télécommandes, il ne pourra plus construire. Avec celle-là, il ne pourra plus courir, plus marcher, il sera tout lent. Et avec celle-là, son stuff va se changer par un pistolet gris. Je vais prendre les 3 télécommandes, je retourne dans la faille. Et je suis de retour sur ma map très très spéciale. Et c'est parti pour l'inviter et le troll un max. Pourquoi tu me stream hack? Tu te souviens pas de moi, mon pote? Non, je me souviens pas, pourquoi? Bah, vrai hacker, bah c'est moi, c'est Supugo. Oh non, me dis pas que t'es le mec de la dernière fois. Eh si, mon pote, c'est de renouveau moi. Et est-ce que t'es chaud qu'on fasse un petit 1v1? Car j'ai entendu que sur ton live, t'avais envie de me démonter. Bah, go faire un 1v1, et oui, je vais te démonter. D'accord, d'accord, ça marche, mais par contre, j'ai une petite question. Comme à ce qui paraît, t'es assez confiant. On va faire un 1v1 le premier en 3. Si je gagne cet 1v1, tu devras supprimer ton compte Fortnite. Avec ton skin employé d'Epic Games que tu viens de recevoir. Oui, pas de soucis, mais par contre, si moi je gagne, je vais te ban définitivement de Fortnite. D'accord, d'accord. Là, les potes, je me suis mute et je vais commencer à utiliser ma première télécommande. Il ne pourra pas construire. C'est parti. Monsieur l'employé d'Epic Games, avant de commencer l'1v1, regardez comment j'édite. Ça va, mais je pense que tu peux faire mieux. D'accord, d'accord, bah vas-y, à toi d'édite, je te regarde. Mais what, je peux pas construire. Dès que j'appuie sur ma touche, ça fonctionne pas. Non, c'est pas possible, arrête de me troll, s'il te plaît, je t'ai dit d'édite. Tu mets un cône comme ça et t'édites. Mais je peux pas mettre de construction, je peux même pas sélectionner ma construction. Bah frérot, si ça marche pas, c'est juste que t'as pas mis ta touche sur ton clavier. Va dans tes paramètres, s'il te plaît, regarde tes touches. Ok, je vais voir ça. Mais c'est bizarre, pourtant j'ai mis exactement les bonnes touches. T'es sûr de ça, que c'est bien les touches de construction? Oui, oui, je suis certain. Là, les potes, je me surmute et je désactive. Et il pourra reconstruire. Bah vas-y, allez là, réessaye un peu de construire et dis-moi si t'arrives. Ok, c'est parti. Là, j'ai réussi. Et édite pour voir. Bah voilà, mon pote, nickel, c'est bon, on peut commencer le 1v1. Allez, c'est parti pour la première manche, bonne chance à toi. Bonne chance. What? Mais je peux pas courir. Arrête ton cinéma, s'il te plaît, et joue vraiment. Je peux vraiment pas courir. Mais pourquoi il est si lent? C'est quoi ce bug? Mais qu'est-ce qui se passe, mec, dis-moi. J'arrive pas à courir, je suis trop lent. Et là, ça marche ou pas? Ah, là, c'est bon. Ah, voilà, t'as juste eu un petit bug de Fortnite, c'est tout. Ah, il craque! C'est trop facile, je t'avais dit que j'allais t'éclater. J'avoue que t'es quand même super fort, allez c'est reparti pour la deuxième manche. Nope, nope, nope. Je peux pas construire! Oui, oui, c'est ça. Oh, je t'ai mis une grosse balle. Hop là, mort! 1-1. Mais mon jeu est bug, j'arrive même pas à construire. Oui, oui, c'est ça mon pote, arrête de trouver des excuses et c'est parti pour la troisième manche. What? Mais j'ai qu'un pistolet dans mon stuff! Mon stuff s'est transformé! Oui, mais qu'est-ce que tu racontes? Touché. Pourquoi tu tires au pistolet, mon pote? Il y a des pompes, etc. Tu joues à quoi? J'ai qu'un pistolet dans mon stuff. Mais ça m'empêchera pas de t'éclater. Oui, bien sûr. J'arrive plus à construire encore. Mon jeu, il bug. Mort, 2-1. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette map? Elle devrait être supprimée de Fortnite. Et pourquoi donc? Elle marche très bien. J'arrive à construire, à edit, à bouger. Et moi, j'arrive à rien faire. Bah, perso, mec, je pense qu'il y a un petit problème, hein. Parce que c'est un peu bizarre tout ça. Je vais la supprimer de Fortnite. Bon, bah là, l'employé d'Epic Games, ça rigole plus, hein. Si tu perds cette manche, tu vas devoir supprimer tout ton compte Fortnite, plus le nouveau skin que tu viens de recevoir, c'est-à-dire celui-là. Ok, pas de problème, c'est pas grave. De toute façon, c'était juste des bugs. Là, les bugs sont partis et je vais pouvoir t'éclater. Ok, ok, j'ai hâte de voir ça. C'est reparti. J'arrive plus à courir encore. Bah mec, y'a plus de bug, t'as dit, faut savoir. Cette map est vraiment buggée. C'est vraiment bizarre, hein, ce qui se passe sur cette map. Moi aussi, mec, attends, j'arrive plus à construire, là. Je suis bloqué dans la box. Ma pioche, elle veut pas se mettre. Ouais, bon, je pense qu'on va devoir changer de map, celle-ci est vraiment buggée. Ok, ok, mais attends, là, je bois une petite gorgée d'eau. Hop là, c'est bon, ça rejoue. Allez, viens me rush un peu, là, je t'attends. Ok, c'est parti, je vais le bloquer pour pas qu'il prenne la construction. Oh non, what? J'ai encore pas pu construire, c'est quoi cette map? Allez, construis! Pourquoi tu te défends pas? Parce que je peux pas, ça bug! T'avais dit que t'allais m'éclater, non? C'est 3-1, tu vas devoir supprimer ton compte Fortnite! Mais c'est vraiment de la triche, la map elle est buggée, ça compte pas! Y'a que la map qui est buggée à ce qui paraît, hein! Est-ce que là tu peux construire? Non, je ne peux toujours pas construire! Tu vois ce que j'ai dans la main? What? Regarde, un petit clic! Est-ce que là tu peux construire? Là je peux construire! Et maintenant, est-ce que tu cours vite? Oui, là je cours vite! Et là? Et là, je peux pas courir vite. Oh, tu es tout lent. Et là, t'as quoi dans ton stuff? Là, j'ai un pompe violet et une aire bleue. T'es sûr? Mais là, j'ai plus qu'un pistolet. Oh, mais c'est vraiment bizarre, hein. Mais en fait, c'est pas la map qui est buggée. C'est toi qui me hack depuis tout à l'heure avec ta petite télécommande. Exactement, et j'en ai pas une, j'en ai 3. 1, 2, 3. Mais what? Je travaille chez Epic Games et je savais même pas que ces télécommandes existaient dans Fortnite. Bah alors, suis-moi, je vais te montrer un endroit secret où tout le monde peut se les procurer. Ok, je te suis. Tu arrives ici, tu te mets accroupi et tu rentres dans la faille. Et voici l'endroit où j'ai trouvé ces télécommandes. Mais c'est totalement interdit d'avoir ça sur Fortnite. Exactement. Bon, je vais te laisser, je vais appeler tout de suite mon supérieur de chez Epic Games pour qu'il supprime cet endroit. D'accord, l'employé d'Epic Games, bonne suppression. Ciao!